Attention, Tyler Seguin pour remettre sur cette tentative de frappe de Patrice Bergeron. Oh là là, quelle grosse charge, quelle grosse frappe, charge de la part d'Adam McQuaid. Et ça a proposé forcément une nouvelle bagarre. Nick Foligno qui ne l'a pas vu arriver, Adam McQuaid. Hein. Ouais, il n'y a pas de... On a déjà perdu un joueur sur le match précédent. Milan Michalek. But the one thing that we found in the NHL, it's hard to hit somebody going forward. Your instincts are you're going to have to move your legs. Paul McLean dubitatif. Là, ça serait un vrai coup dur. Hein. Si Nick Foligno devait partir, on le revoit ici. Chercher à récupérer. Ah ouais, non, c'est. Ouais, c'est la jambe, c'est pas bien. Ouais. Il est battu et non, le geste est vraiment. Regardez, là, il voit qu'il est McQuaid, court. Voilà, il met, c'est super dangereux. Il met le patin vers l'avant en plus, la lame relevée. Ouais, non, c'est ça, pas bon de la part de McQuaid. Bah, il le sait, dès qu'il l'a fait, voilà. Ils veulent l'arrêter. On peut y laisser. C'est dans le jeu. Il est, ouais, mais bon, c'est vraiment pas bien. C'est bien, en tout cas, tout de suite, Cohen vient défendre son coéquipier. On voit bien sûr la tête de Brian Murray. Ouais, le geste est vraiment pas beau de la part de McQuaid. Toujours très dangereux, on peut y laisser un genou.